Bonjour, c'est Marama Vahiroua. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Romuald Pliquet. Il va nous parler de son métier de photographe. Go! Je m'appelle Romuald Pliquet, donc je viens de Bretagne, je suis en Polynésie depuis 2011. Donc je suis photographe de surf et en même temps je suis aussi ce qu'on appelle un peu garde-côte, c'est-à-dire sauveteur en mer. Je travaille au JRCC Tahiti. Voilà. Ouais. Enfin, vraiment très jeune, j'ai toujours aimé la culture polynésienne. Alors je sais pas d'où ça vient, j'ai toujours voulu venir sur Tahiti. Quoi. Enfin, c'était un rêve, mais vraiment petit. Quoi. Tu pars sur une base en général de faire la promotion du surf tahitien. Après, à fur et à mesure, tu as des affinités, même photogéniques, mais aussi personnelles avec certains surfeurs. Donc, tu as plus d'affinités avec peut-être certains que d'autres. Et moi, je prends Matai, par exemple, Drolet, que j'ai connu. Matai, il devait avoir 12 ans, je crois, quand je l'ai connu. Et après, je suis parti 4 ans. Donc, je l'avais déjà vu un peu évoluer, aller timidement sur Taopo. Et puis, moi, je suis fan de Manoa. Enfin, toute la famille Drolet, de toute façon, j'adore cette famille. Je pense qu'il n'y a pas deux endroits comme ça au monde. Pourtant, je suis baladé un peu dans quasiment tous les coins du monde. Toutes les vagues de référence, quoi. Bali, Padang, Impossible, Pipeline, où j'y vais tous les hivers depuis maintenant une dizaine d'années. Nazaré, enfin, tu vois tous les spots de référence. Mais Taopo, c'est ailleurs, quoi. C'est magique. Moi, le bout de la route, c'est comme si j'allais jusqu'à la fin du monde. Et la fin du monde, après, elle continue puisque tu prends ton bateau et puis là, tu vas la rejoindre. Donc déjà, il y a une espèce de barrière invisible qui déjà se met en place comme si tu avais passé un miroir et que tu te retrouves derrière. Et puis là, tu as un décor où tu as donc des montagnes qui sont magnifiques. On est isolé, on est entre nous. Et puis niveau mécanique de vague, Taopo, c'est la perfection. Il n'y a vraiment pas. Ça ne sert à rien d'aller chercher plus loin. Taopo, c'est vraiment la perfection. Alors, je pense que une des premières choses, c'est de garder une humilité sur son travail. C'est-à-dire que si, par exemple, tu commences et que tu commences à faire beaucoup de followers, si tu veux, ou que tu es un peu plus mis en avant, que tu sens que tu as une ascendance dans ton travail, je pense qu'il faut toujours garder à l'esprit de savoir d'où on vient et surtout garder une humilité aussi par rapport aux autres photographes, je dirais. Et pas commencer à croire que tu es supérieur ou même inférieur, tu vois. Déjà, se concentrer sur son travail, pas nécessairement faire regarder ce que font les autres, sinon tu peux avoir aussi un certain mimétisme et te perdre aussi en fait dans ta logique de travail. Mais toi, c'est ce que tu ressens au moment instant qu'il faut garder, quoi. Sinon c'est plus toi. Si tu fais du copiage, c'est plus toi. Puis surtout être respectueux de ce que tu photographies et du monde en fait que tu veux représenter, quoi. Voilà les amis, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à Romuald pour son témoignage. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Mais n'oubliez pas que le sport gagne.